Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, enfin une petite partie 2. Ouais, voilà, partie 2 de l'autre vidéo que j'avais fait la dernière fois, glitch d'argent, de duplication, les gars. Et aujourd'hui, une petite partie 2. Mais avant de commencer tout ça, les gars, je voulais vous dire que je vois plein de glitches sur YouTube, les gars. Et pour être sincère avec vous, franchement les gars, faites attention les gars, vraiment, faites attention avec votre compte parce que Rockstar avait envoyé un message, je sais pas si vous avez reçu ce message, Rockstar a fait comprendre que ils sont avec la nouvelle mise à jour, ils vérifient les comptes de savoir qui triche ou pas. Donc les gars, il y a certains glitches, ben ils risqueront de vous faire bannir les gars. Faire bannir votre compte, vous allez perdre votre compte les gars, je vais pas vous mentir les gars, certains youtubeurs, certains gars, ils font des vidéos sur YouTube pour avoir une communauté, pour avoir des abonnés et des vues les gars. Ils le font pas pour vous, mais ils le font pour eux les gars. Ça veut dire que ben ils s'en fichent en fait que vous soyez banni ou pas. Ben ils s'en fichent du moment où ils font des 100 000 vues les gars, des 30 000 vues, 10 000 vues, ben le reste, ben ils s'en foutent, hein. Je vais pas vous mentir les gars, et ben ils s'en foutent. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie 2 parce que j'ai vu des commentaires, j'ai vu des gens qui n'ont pas compris comment fonctionne mon glitch. Donc petite partie 2 les gars, de glitch de duplication pour la ici anticipation ou le véhicule que vous voulez. Bon les gars, comme vous le savez déjà, le véhicule est placé dans mon complexe. Vous le savez déjà, je me rends dans mon complexe. Je me rends dans mon complexe pour faire sortir le véhicule qui est garé dans le complexe. Et je vais aussi vous montrer que le glitch fonctionne, c'est toujours actif. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et surtout les gars, dans la description et en commentaire, j'ai créé un canal sur Telegram, les gars. J'ai créé un canal, et ben vous pouvez m'envoyer des messages et je vais mettre mon snap aussi. Vous pouvez m'envoyer des messages, je pourrais vous aider parce qu'il y en a qui ont pu rentrer en contact avec moi, qui savaient pas comment faire le glitch, même avec la vidéo. Donc j'ai pu les aider. Alors les gars, donc on se rend dans le complexe, on choisit le véhicule qu'on veut dupliquer. Pour ma part, c'est la ici anticipation. Et on l'a fait sortir du complexe. Et là, les gars, on va se rendre dans le bunker. On se rend au bunker avec la ici anticipation. Donc, les gars, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, les gars, par rapport au glitch. Faites très attention avec votre compte, les gars, parce qu'il y en a plein de glitch. Ou certes, si vous allez gagner beaucoup d'argent, vraiment beaucoup, mais aussi vous allez vite perdre votre compte. Donc, vaut mieux galérer pour avoir ses affaires, pour avoir de l'argent, que de perdre son compte avec des vieux glitch, les gars. Donc, faites attention. Donc, voilà. Alors, les gars, on fait entrer le véhicule dans notre bunker. Une fois dans le bunker, les gars, on va garer notre véhicule ici. Et n'oubliez pas les gars, on remplit ceux qui ont vu la première vidéo savent déjà qu'il faut remplir un garage et le QG du club de moto. Il faut les remplir de moto les gars. Donc je vais vous montrer là pour le moment mon garage de l'atelier les gars. L'atelier de l'arène s'est rempli. C'est rempli avec des ici anticipations que j'ai dupliquées. Regardez les gars, atelier de l'arène, regardez bien. C'est des ici anticipations que j'ai dupliquées. Et là, le garage de fonction 1, les gars, j'ai commencé. Donc, on va mettre la 7e ici anticipation. Donc, voilà. Du coup, les gars, on se rend dans notre QG, le club de motards. On se rend dans notre QG du club de moto. Hop, on y va.
Voilà. Une fois dans le QG, on va se rendre dans notre atelier. On se rend dans notre atelier et on monte sur la moto, les gars. On monte sur la moto. Et une fois sur la moto, on va faire flèche droite. Donc, on va modifier la moto. Donc, ce qu'on va faire, les gars, on va changer juste une petite pièce. On va changer quelque chose sur la moto. Genre, il faut juste dépenser un tout petit peu d'argent. Et puis, ben, on quitte l'atelier. On quitte l'atelier. Et une fois, on descend de la moto. Et puis, on retourne dans notre bunker. On retourne dans notre bunker. Vous allez remarquer, les gars, que la plaque du véhicule, ben, ça va changer. Là, il y a cette anticipation qui est en ce moment dans le bunker. Ben, la plaque, ça commence par 5, je crois, et ça se termine par 844. Donc, regardez bien que la plaque, ça va changer, les gars. Si la plaque change, ça veut dire que c'est plaque propre. Donc, si votre plaque, ça change, les gars, vous faites un glitch et votre plaque change. Le numéro change, ben ça veut dire que c'est plaque propre. Ben si ça ne change pas, ben ce n'est pas plaque propre, les gars. Les gars, observez bien avant que je monte dans le véhicule. Ça commence par 5 et ça se termine par 844. Donc je monte dans le véhicule, les gars. Hop, regardez maintenant, ça se termine par 0,25 et ça commence par 60. Donc la plaque, ça a changé. Donc c'est plaque propre. Vous ne risquez pas de vous faire bannir du jeu. Parce que c'est plaque propre, c'est pas plaque sale, les gars. Et là, vous arrivez ici, les gars, vous faites flèche droite et vous aurez ce petit message et vous faites entrer le véhicule dans le camion, dans le centre d'opération mobile. Voilà. Une fois dans le centre d'opération mobile, on va sortir, ben, on va sortir de la remorque. On va sortir. Et là, on va sortir du bunker. On va sortir, les gars, on sort du bunker. Une fois dehors, les gars, une fois que vous êtes sorti du bunker, ce que vous allez faire, vous allez appeler le mécano pour faire venir une moto que vous avez remplie, ben un des garages, le garage que vous avez choisi. Surtout pas le QG, les gars, pas le QG de moteur. Vous touchez pas ces motos là. Donc garage de fonction 1, les gars, comme je vous avais dit, les gars, on appelle cette moto là, on prend une Vortex. Une fois qu'elle est là, on monte dessus. Hop. Et puis on va la faire rentrer dans le QG, non, excusez-moi, dans le bunker. On fait entrer dans le bunker. Une fois dans le bunker, les gars, ce qu'on fait, on va se rendre vers le centre d'opération mobile. Et vous faites, les gars, même si vous n'avez pas ce petit message là, dès que vous arrivez près du truc, vous-même vous faites flèche droite, les gars. Même si vous n'avez pas ce petit message en haut à gauche, vous faites flèche droite et automatiquement vous aurez ce petit message là, les gars. Parce que j'ai vu un commentaire, donc au cas où, ben c'est comme ça qu'il faut faire. Donc vous vous rendez devant le truc, vous faites flèche droite et puis vous faites entrer la moto dans le centre d'opération mobile. Une fois dedans, la ici anticipation, ben ça a disparu. Et puis on sort. On sort du centre d'opération mobile.
je vais vous montrer que le glitch est réussi et je vais vendre un véhicule dans la vidéo devant vous. Je vais vendre une ici anticipation. Donc, on est sorti de mon bunker. Regardez les gars, j'appelle le mécano. J'appelle le mécano. Donc là ici anticipation que j'ai dupliqué va se retrouver dans mon complexe. Celle que j'ai acheté, l'original on va dire, entre guillemets. Donc c'est dans mon complexe qui se termine par 844, c'est dans mon complexe. Et ben l'autre que j'ai dupliqué à l'instant les gars, ben c'est là. C'est là, donc j'ai 7 ici anticipation dans ce garage là. Et là on va vendre ben une ici anticipation dans l'atelier de la reine. Donc on va se rendre dans l'atelier de la reine. Putain, j'ai dit tout ça. On va se rendre dans l'atelier de la reine pour finir avec la vidéo. Je vais vendre une ici anticipation pour que vous voyez qu'il n'y a pas de mytho les gars. Tout ce que je dis c'est vrai. Donc n'oubliez pas les gars, faites attention avec votre compte. Avec vos comptes GTA et tout. Donc les gars, je suis arrivé à mon atelier. Hop. Donc je vais vous montrer. On rentre les gars. Et je vais vous montrer toutes les ici anticipations que j'ai dupliquées. Et je suis en train de remplir un autre garage. Regardez les gars, les ici anticipations sont là pour vous montrer que c'est plaque propre. Regardez celle-là, c'est un 580. Et celle-là, ben 130. Plaque propre, les mecs, plaque propre.
Ce n'est pas comme vos youtubeurs. Hein. Regardez, 190. Donc, on va vendre celle-là. On va vendre celle-là, les gars. Donc, flèche droite. Hop. Du coup, on va la vendre à 1 600 000 et quelques. Et voilà, les mecs. Ça a été vendu. Hop. Regardez, parti pour une deuxième mission d'anticipation. Et voilà. Bon, on arrive à la fin de la vidéo, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, liker et surtout de partager la vidéo. Et les gars, n'oubliez pas de commenter parce que ça fait plaisir, parce que ça me permet de communiquer avec vous. Et comme je vous ai dit, en commentaire et en description, je vais vous mettre mon canal Telegram. Et je vais vous mettre le lien de mon Snap. Vous pouvez m'ajouter, m'envoyer des messages. Je vais vous répondre. Et on va pouvoir communiquer. Si vous avez des problèmes, des soucis, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez me contacter. Et puis, ben, je serai là pour vous, les gars. Et puis, voilà. N'oubliez pas de liker, de partager. Ciao, ciao, les gars.